Le samedi 28 avril, ne manquez pas la plus grande compétition de breakdance en groupe au Canada, le Canada Soul Clap. Les meilleurs breakdancers de la côte est canadienne et américaine s'affronteront dans des battles par équipe pour remporter la bourse Distorsion de 3 000 $. Lors de la soirée, vous assisterez à une confrontation entre deux anciens champions du DMC DJ Championship, DJ Brass et DJ Mana. Un after-party est prévu sur place jusqu'à 3h du matin avec artistes et DJ invités. Soyez là dès 19h le 28 avril au Théâtre Plaza, 6505 rue Saint-Hubert à Montréal, métro Beaubien, 18 ans et plus. Les billets sont en vente sur admission au Off the Hook et au studio Distorsion en collaboration avec Sapporo et Choc FM, une présentation de Distorsion. Choc FM vous invite à son gala de reconnaissance annuel qui se déroule le 6 mai prochain au Catacombes. C'est dans la partie gala qui débute à 19h30 que nous allons souligner le talent des animateurs qui se sont démarqués au cours de l'année. L'événement sera des plus festifs puisque nous pourrons voir sur les platines Éric Bertrand de l'émission Vive le Rock, DJ Creole Soldier de Lumière Reggae, DJ Manifest de Hip Hop Non-Stop et DJ Paul Charpentier de Mutation. La partie spectacle débute dès 21h. Le billet est au coût de 5$ en pré-vente, disponible à la station, et 7$ à la porte. Le gala de reconnaissance annuel de Choc FM est en collaboration avec Boréal et les vins Barefoot. C'est donc un rendez-vous au Catacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent, coin Ontario et Saint-Laurent, à deux pas de l'UQAM. On vous attend! Hey! Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sun avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à deux pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous l'attendiez avec impatience? Eh oui, le Puzza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepuzzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Oh, décidérez, oui, ça commence bien. Bonne fête à tous les amoureux! Oui, bonne fête à tous les amoureux cette semaine. Yes, sir, all right. Yeah. On vient d'entendre le doux sifflement de... C'était qui qui a sifflé au juste? Ah, ça c'est un secret. Je sais pas, vous le voyez pas. C'est monsieur Mathieu Niquette, comment il va? Très très fatigué encore une fois, comme à chaque fois que tu m'invites ici. Grosse semaine, j'ai une grosse semaine, Julien, c'est difficile. Moi aussi j'ai un nouvel emploi, j'ai l'impression qu'on en parle, on peut en parler en nombre. Ben certainement, ouais, on parle de nous. Je travaille à la Cinémathèque maintenant, puis c'est exigeant quand même, hein. Je travaille fort, puis... C'est ça, on est toujours fatigué. Ouais, mais Nicolas, comment il va? Ouais, il va bien, il va bien. Nicolas Fournier-Larocque est avec nous, comment il va? Tu viens de me demander. Ouais, ça va être une grosse semaine. Bonne fête à tous les amoureux. Alors, écoutez, je vais commencer par une petite nouvelle brève. On a reçu un email d'auditeur. Oh. Là, deux semaines. C'est-tu vrai cette fois-là? Oui, il est vrai celui-là. Okay. Ouais. Il est un peu plate, fait que c'est pour ça qu'il est vrai. Ok, ouais, c'est ça. Ça prouve qu'il est vrai. Ouais, c'est ça. Je veux dire... D'ailleurs, justement, j'avais un débat là-dessus, une parenthèse, un débat là-dessus avec mon ex à propos de si Kenny et Spenny, c'était vrai ou faux. Oh. Moi, je pense que c'est vrai. Il s'obstine encore à penser que c'est vrai. Moi, la version québécoise, c'est faux. Non, tu sais, la version québécoise, c'est très gênant de faux, la fois que je l'ai écouté. Ouais. Mais Kenny versus Spenny, moi, je m'entête à penser que c'est vrai. Écoute, je suis peut-être naïf. Puis mon débat là-dessus, mon argument là-dessus, c'était que l'épisode où ils se perdent dans le bois, il est comme plate.
Fait que ça, je me dis, tu sais, il est plate, ça lève pas, tu sais, ça marche pas. Puis ça c'est pas juste mal scripté cet épisode-là. Ça finit un peu en queue de poisson, ça finit un peu comme, oh, okay, on se rend compte que ça n'a pas d'allure. Ben, puis... comme un peu Mythbusters fait un peu la même chose des fois, des épisodes comme où est-ce que ça, il y a rien qui fonctionne. Ouais. Puis ben, eux autres, ils ont trouvé la clé, ce serait de faire exploser cette chose. Ouais. Fait que, ouais, on trouve ça comme une porte de sortie, mais si t'enlèves le moment explosif, des fois, l'épisode est vraiment ordinaire. Ben, tant que c'est une bonne preuve que c'est pas arrangé avec le gars des vues, parce que c'était arrangé avec le gars des vues, qu'on a d'ailleurs reçu, le gars des vues, c'était arrangé, on s'en souviendra. Oui. Il parle de même. Donc, ça prouve que si c'était arrangé avec le gars des vues, ben, ça serait jamais plate, me semble. Ben, ça devrait pas, en tout cas. Alors, finalement, la première trilogie, l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars, c'était pour vrai, ça. C'était pas arrangé. C'était pas scripté, ça. T'as l'air de retourner mon argument contre lui-même. alors, on a reçu un email, et il est vrai parce qu'il est plate. On l'a reçu, là, peut-être une dizaine de jours, une certaine Romaine qui nous écrit « Bonjour, c'est encore moi. » Mais je sais pas pourquoi elle dit ça, parce que je sais pas d'un autre email. Peut-être un qui nous est pas parvenu. En tout cas. Ouais, en fait, elle a écrit à la station plutôt qu'écrire à nous. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous sur Facebook. Ou sinon, sur Gmail. Je pense que nos emails sur le site de... Enfin bon. Allez, bonjour, c'est encore moi. J'écoute Décidéré en rediffusion et là, on parle du Festival des artefacts. En fait, dans ma ville, à Strasbourg, il y a un festival de ce nom-là qui est très conséquent et au début, j'ai pensé qu'on parlait de ça étant donné que ça se passe en ce moment. J'ai pas trouvé de contact spécifique de l'émission, alors j'envoie ces emails à vous en espérant que ça sera transmis. Cordialement, Romaine. PS, si j'appelle de France à Décidéré, on m'enverra aussi un cadeau? Eh bien, Romaine, non! On n'aura pas de cadeau, Romaine. Mais continue d'écouter, par contre. Mais c'est drôle, parce que le Festival Artefact, tu sais, je te disais tantôt, hors d'onde, que peut-être qu'on allait avoir l'attachée politique du député du NPD de Vaudreuil-Soulanges. Et elle est elle-même fondatrice, membre fondatrice du Festival Artefact en question. Ah oui? Oui, tout à fait. Non. Fait qu'on va peut-être pouvoir répondre à un paquet de questions de Mme Romaine. Tout à fait, j'espère. Ben oui, Romaine, non, mais on fait des blagues, hein, Romaine. On est très content que tu nous écris. Ah, on est super content. On est très super content, les cousins! Ah! Puis non, c'était pas du Festival Artefact. Les facs de Strasbourg qui étaient question, effectivement, c'était écouté comme il faut ce qu'on disait. Fait que, peut-être qu'elle comprenait pas tout ce qu'on disait. Des fois, Julien, d'ailleurs, je vais t'en parler, je vais en profiter. Vas-y. Des fois, ta diction, Julien, c'est pas radiophonique du tout. Vraiment? Oui. Tu penses? Non, c'est pas vrai. Non, OK. T'es excellent. Merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce que tu voulais amener? Je sais pas, Julien, okay. Je suis confus. Non, c'est correct. Mais effectivement, je n'ai pas la diction de Mathieu Niquette, j'en conviens, et c'est pourquoi je lui ai demandé... de lire quelques textes. En effet, je suis en nomination, comme on parlait la semaine passée, pour meilleur animateur cette année, un prix que d'ailleurs je suis sûr à 100% de gagner. Ben oui. Si je ne gagne pas, je vais faire une colère monstre au gala, je l'annonce tout de suite. Ben, les gens ont déjà commencé à m'inquiéter. Est-ce que tu vas sortir comme Eddie Murphy? Je vais me fâcher. La caméra va aller sur moi, on va voir que je suis super fâché, puis je vais quitter la pièce. Ah, non, je pensais plus faire un Kanye West, en fait, et monter sur le stage et voler le prix. Oui, mais en fait, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui monte pour toi. Ah, ouais, c'est peut-être que Niquette, tu pourrais monter et dire que c'est Julien qui le mérite. Si tu me dis go, j'y vais. Parfait. mais malgré que je suis convaincu que je suis le meilleur animateur de Choc FM, ça reste quand même que je respecte les gens avec qui je suis en nomination, dont M. Francis Ouellet, qui est venu deux fois à l'émission déjà et qui anime l'émission de Tonnerre et le 7e handicap. Et Francis, j'ai déjà vanté la qualité de ses statuts Facebook. Et pour lui rendre hommage, j'ai demandé à Mathieu Niquette d'en lire quelques-uns. Oui, Julien. Vas-y, Mathieu. Est-ce que tu pourrais avant me donner un petit peu plus de son dans mes écouteurs? Parce que oui, j'adore entendre le son de ma voix. Là, ça marche. Ah oui, c'est mieux. Ah, okay, vas-y. C'est un amour. C'est un amour. Alors, juste pour faire une petite précision, je ne sais pas si tu l'avais déjà expliqué, mais ton ami, Francis Ouellet. Francis fait des moments hauts magiques, c'est-à-dire des moments provenant de Oma, Hochelaga, Maisonneuve, d'où j'habite personnellement. Oui. Alors, ça me rejoint, ça va être très intérieur. Oui. Alors... Moment haut magique. Après le cinquième crachat du jeune homme qui attend l'autobus à côté de moi, dodelinant sa tête pleine de pus aux décibels de son iPhone, je perds patience, vaguement dégoûté. Je tapote son bras pour lui donner une leçon verbale. Il se retourne, perdu dans ses pensées et ses culottes de jogging. Je n'étais pas préparé à cette fascinante peinture. Les lèvres du jeune homme sont immenses, charnues et lustrées, presque indécentes. Ses parfaites dents blanches couvertes de broches sont massives, on dirait de l'ivoire. Cette bouche est ouverte en permanence, impossible de rouler une pierre devant cette grotte-là. Une bouche glorieuse, molle et dure à la fois. Et il bave. Il bave à torrents, à un tel point que lorsqu'il ne crache pas, il s'essuie la lèvre du dessous avec un mouchoir de grand-père. Pour ma part, je suis pantois.
Horrible cavité si belle à la fois. « Quoi ?» me demande-t-il. « As-tu l'heure ?» Il me montre son iPhone. Je suis incapable de ne pas regarder sa bouche. Dans le bus, je médite sur ce que j'ai vu. Sans dire un mot, avec sa grande bouche, son propriétaire m'avait solidement fait fermer la mienne. Très beau. Merci beaucoup, Francis. Oh là là. Ouais, quand même, une leçon de vie. Parce que souvent, moi-même, des fois, je me balade sur Ontario, sur Sainte-Catherine. Ouais. Je juge. On juge. On juge tous. Surtout Nicolas juge beaucoup. Puis quand on a la chance d'avoir une leçon comme ça, ça nous ramène deux pieds sur la terre. On est bourré de préjugés, vous l'aurez appris ici. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux que j'en lise un second? Oui. Moment au magique, nocturne et creepy. Les 2 heures du matin. Un monsieur haïtien traîne son caddie d'épicerie dans la sloche, vaillamment. Il est loin. Mais nous allons nous croiser, c'est inévitable. J'entends au loin qu'il psalmodie quelque chose, un leitmotiv lancinant. J'ai des frissons qui me font serrer du rectum à un tel point que je pourrais craquer un noyau de pêche avec mon cul. Il a les yeux vides et jaunâtres. Il me regarde, me sourit et continue son laïus avec plus d'emphase. 12 pouces, $5 $12 True story. Oui, il a croisé quelqu'un dans la rue qui a dit 12 pouces, $5. Oui, un monsieur haïtien. Un monsieur haïtien. Aux yeux jaunes. Et là là. Francis maîtrise vraiment l'art du statut Facebook. C'est très bon. Oui. Tu m'avais dit ça, là, je découvre ça à mesure que lis. C'est quand il vient, je lis ses meilleurs statuts. C'est sûr qu'il sera mon ami tout prochainement. Ben écoute, de toute façon, je vais lui envoyer l'émission dès qu'il est terminé. Yeah! Puis, il va t'écouter puis il va faire « Mon Dieu, ce gars-là doit être mon ami de Facebook ». Une grande amitié est en train de se développer. Et on va terminer règle de 3 avec une dernière. Oui. C'est son dernier, en fait, parce qu'il a quitté Hochelaga Maisonneuve et a fait un dernier statut épique sur son dernier moment au magique. Alors Mathieu, vas-y. Voilà. Le plus beau des moments au magique. Je l'ai quitté dimanche, ma belle Oma. Quartier slack de mes amours de crotté. Champ d'étrons chassés et de patates frites en fleurs. Ce jour-là, elle ne m'a pas donné le moindre signe. Rien. Et puis hier, en y retournant pour une dernière fois, elle m'a fait le plus beau des adieux. J'entre dans le gros autobus coin Pie-Neuf et Beaubien. Un silence funeste à l'intérieur. Anormal. Quelque chose vient de se passer, c'est certain. Ce quelque chose, c'est un homme qui s'engueule au téléphone avec des longs moments de silence quand c'est lui qui se fait engueuler. Et entre les moments de silence, ces explosions verbales résonnantes font sursauter les passagers. Et il faut dire que le bonhomme tient absolument à partager son engueulade au plus grand nombre pour briser sa solitude. Il doit donc monter les décibels pour couvrir le bus au complet. Voici des extraits inoubliables de son discours syncopé qui m'ont fait mouiller de plaisir, en ordre chronologique. Il faut comprendre qu'à mesure que nous nous approchions de Schlag, son ton et la violence de ses propos augmentent, comme s'il était saisi par l'imperceptible frénésie de l'espace-temps particulier du quartier qui, au final, est bien plus qu'un état d'esprit, et bien plus un état d'esprit qu'un endroit. Alors, pour ce prochain segment, j'utiliserai un personnage. Oui, vas-y. Va que moi, mon assis de char, je me retrouve en dedans parce que je t'ai tapoché. Puis là, c'est toi qui me bats, hein? C'est ça. Tu mériterais que Chris a tangué. T'as pas le droit de m'enfermer de même dans le garde-robe. Ensuite. J'essaye de reprendre ma vie en main, mais t'es méchante, ma Chris de chienne. T'avais pas le droit de te faire avorter. Non, non, même si c'est pas le mien. S'il est dans toi, il est à moi. Ce à quoi l'auteur ajoute. Quelle belle phrase. On dirait de l'inou. Je fais tout pour m'en sortir, moi. Je bois plus. Je prends plus de drogue. Je me bats plus. J'ai même arrêté de fourrer à gauche pas à droite. Ça compte pas, cette fois-là! Puis je m'en crisse qu'elle avait 14 ans. Au moins, elle m'aimait, elle! C'est malamant, hein. Tu vas finir tout seul dans la rue en sang si tu continues à faire mal au monde de même. M'offrir une plainte, OK? OK, là, je peux pas dire ça ici, OK? Il y a du monde autour. Puis, l'homme sort. Épilogue.
Hochelag, aucune gentrification ne viendra à bout de toi. Aucun anarcho espérant vivre proche du vrai monde. Aucun... OK, il manque un... excusez-moi. Hochelag, aucune gentrification ne viendra à bout de toi. Aucun anarcho espérant vivre proche du vrai monde. Aucun Français égaré à qui on a dit que c'était le nouveau quartier français et pas le plateau. J'ai entendu ça 3 fois cette semaine. Aucun bourgeois déguisé en dumpster diver graffiteur. Hochelag, tu resteras avec tes vieilles putes en manque d'Ajax, tes enfants qui se reproduisent, tes bingos d'espoir flétris à l'hôtel d'Yves Corbeil, tes ruelles pleines de seringues, de capotes et de bébés qui sacrent. Rosemont, petite patrie, t'es ben belle. Mais j'espère que tu passeras pas ton temps à texter en têtant un soy latté. J'espère que toi aussi, de temps en temps, tu te mets à genoux dans la garnotte, la bouche ouverte et le cœur aussi. Le majeur au garde-à-vous, dardant la prostate de la solitude. Merci. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un excellent texte, hein, pour et je tiens à dire que c'est une lecture à vue, puis c'est super bien écrit, oui. Super bien, en fait, ponctué, puis moi, je suis très sensible à la ponctuation. C'est vrai, tu m'en parles tout le temps, tu vois, à quel point tu es sensible à la ponctuation. Je suis très sensible à toutes ces petites choses, et là, ce texte-là se lisait là, comme un charme. En fait, immédiatement, quand je l'ai lu sur Facebook, la première chose que je lui ai écrit, c'est « je lis ça en onde », C'est magique. Voilà. Félicitations, Francis. Merci, Francis. C'est mon nouvel idole. Oui, ben voilà. C'est lui le meilleur animateur de Choc. En fait, c'est lui qui a gagné l'an passé aussi. Bon, tu vois. Mais cette année, par exemple, j'étais pas en nomination l'an passé. Ben sais, voilà, il osait pas. Ouais, mais là, t'es comme Peter Jackson, il a entendu que t'avais fait ton temps, puis ils vont tous te donner ça à la fin. Oui, ben voilà, bang. Fait que Choc devrait tout gagner. Ouais, l'initié des raids devrait tout gagner. Ben, je pense, oui, effectivement. Fait que on le souhaite. Alors, Francis, c'est de bonne guerre. Et on continue, on est supposé recevoir un appel, écoutez, du chanteur populaire Meat Loaf. Ah oui? Oui, vraiment, Meat Loaf. I do anything for love, but I won't do that. Oui, en effet. Alors, Meat Loaf, si tu nous entends, c'est supposé nous... J'ai écouté du Meat Loaf. Écoute, Meat Loaf. En voyage. Tu pourrais? Oui. Ça se passe? Oh, non. Qu'est-ce qui t'a pris? Ben, c'est Ariane Grenier avec qui j'étais en voyage. Bon, elle est venue nous visiter une fois. Elle a fait une chronique sur l'homosexualité chez les personnes âgées. Nous sommes allés à Brooklyn ainsi qu'à Providence et en route dans un moment d'égarement, j'imagine. Elle a cru bon mettre un peu de ce bon vieux meatloaf. Ah oui? Ouais, je pense qu'elle avait bu. Genre, elle avait complètement bu. Ah, c'est peut-être. Est-ce que c'est une rouquine? Oui, c'est une rouquine. Ah, voilà. C'est Justine Grenier. Bonjour. Qui est attachée politique de M. Jamie McNichol. Elle est dans le studio. Et qui, d'ailleurs, tandis que vous entendez la porte s'ouvrir, Justine, tantôt, on a parlé d'Artefact. Il y a une madame de où? Hein? De où, la madame? La madame, elle vient de Strasbourg. De Strasbourg. Il y a un festival Artefact à Strasbourg, puis elle a pogné une émission, puis elle pensait que c'était le festival Artefact de Strasbourg dont Julien parlait. Elle était bien, bien déçue. Ben écoutez, on a un invité surprise. Alors, ben mets-toi des écouteurs, puis pogne-toi un micro. En plus, elle a du métier, là, dans le corps. Oui, ça me semble-t-il qu'elle était... Elle était dans les chargeurs pelleteurs qui sont devenus les chargeurs orphelins ensuite, si je ne m'abuse. Ben écoute, présente-toi. Là, je viens de m'éteindre, là. Je suis correct? T'es correct? T'as-tu les bons écouteurs? Elle est correct. Non. D'accord. Je pense que c'est ses écouteurs. Ouais. Elle, à la fin. Ah, ben là, tu sais, ça fait longtemps, là. C'est son jeune, c'est sa jeune époque. Voilà. Fait que t'as juste à parler dans un. Il appelle ça un micro? Un, deux, check, one, two. One, two. T'entends rien? Voilà. Bon, gars, écoutez, on va continuer à faire de la radio. Puis tu peux essayer des micros si tu veux. OK. Celle-là, il marche pas. Elle, là. Bon, mon prix qui s'envole devant moi. Ben, c'est terminé ton prix, Julien. Ça tenait pas à grand-chose. Mais en même temps, c'est meilleure animation, c'est ça? Meilleure animation, ouais. Réalisation, ils ne l'ont pas donné, celle-là. Ouais, franchement. Écoutez, je vais mettre une petite chanson. Puis ah, bonne après la baie, oui, c'est ça. On va y aller avec Bateau Noir et Mort avant l'heure à Décideret. Yay! We'll be right back.
Salut, ici Benoît Laveur, l'as des reporters. Et le petit castor. Et moi, j'adore écouter les Émiratons. Ouais, alors on a Meatloaf au bout du fil. Meatloaf, ça va? Oui, je suis en train de me mettre de la sauce brune sur les, ses gosses. Bon. Je savais qu'elle allait parler de ses gosses. Depuis un matin qu'il fait juste parler de sa... Ça zoom, pis ses gosses. Oui. Non, c'est pas Meatloaf. On vous a bien eu à la maison. Les gens étaient convaincus qu'on allait recevoir un appel de Meatloaf, mais en réalité, c'est M. Dominique Mascotte, la deuxième moitié des Pigbois. Comment qu'il va? Très bien, vous autres, toute la gang. Ça va pas pire. On a comme une fille qui est rentrée dans le studio. Ah, on est peut-être instabilisée. Ça dérouté. Ça arrive souvent. La belle Justine, je crois. Oui, elle est bien chic, personne n'avait averti. Jolie rouquine. Ouais. Mais ça arrive souvent que des filles entrent dans le studio de façon impromptue, alors il n'y a pas de problème. Mm. Comment qu'elle va, Justine? Ah, elle va bien. Elle va bien? Elle va bien. Elle était au métro Berry-UQAM faire signer des pétitions pour une stratégie nationale de transport en commun. Alors, sachez que on n'a pas la lèpre. Ben, ici, mais Meatloaf la trouve bonne. Je sais pas, pas pourquoi, là. Il la trouve bien bonne. Parce que il ne sort jamais de chez eux, fait qu'il ne comprend pas ça, lui, le concept du transport en commun. Transport en commun, c'est bien bizarre. Comment tu vas, Dom? Tu veux me faire une petite chronique? Oui, oui. Ben, salut tout le monde. Puis, je voudrais juste dire que la beauté de Justine est un trésor national. Vrai. Alors, ça veut dire que Jean Charest va l'exploiter. Puis, le vendre à... Et le vendre à rabais. Petite blague sociale. Oh, palais, ouais, ça, ouais. Ça se raffine. Ouais, tu viens de gagner ton prix. Hey, j'ai repogné mon prix de meilleur animateur. Ben, vas-y, Dom. Oui, ben, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique fantôme. Oh! Sur les fantômes. Parce que hier, j'ai. Écoute, ben, ça, premièrement, ça te va-tu, Julien? Ah, oh, ben, là, je pense. J'ai-tu le choix? Ben, pas bien, ben. Non, ok, ben, vas-y. J'ai des recettes de cuisine, sinon, mais. Non, non, ben, vas-y, une chronique sur les fantômes. C'est très bon, Dominique. Sur les fantômes, parce qu'on est le 27 avril déjà. Très vrai. On approche de l'Halloween. À petit pas, oui. Non, c'est ça. Hier, j'ai vu un reportage sur. La maison d'Amityville. Oui. Est-ce que vous connaissez ça, la maison d'Amityville? Ben, ils ont fait quelques films. Ouais, 200 films, je pense. Ouais, ouais. Mais ils en ont fait 8, là, on exagère. oui, puis ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que je m'intéresse à ça, les fantômes, parce qu'il y en a peut-être un chez Mathieu Niquette. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'en as trouvé chez nous, Dominique, puis je les ai filmés. Je t'ai-tu montré la vidéo? Ben oui. Ben, c'est ça. J'ai ça sur mon téléphone tantôt. Ben, expliquez-vous, on fait de la radio. Là. Ouais, non, je sais. Non, mais tu sais, checker tout le monde. Check. Oui. Non, j'ai de mascotte. Ben, explique-le, Dom. C'est toi qui as vécu tout ça. Je vais pogner ma partie quand tu auras fini d'expliquer ton bout. OK. Je dors chez Mathieu et Maxime des fois de temps en temps sur le sofa, à peu près 2-3 fois par semaine, pas plus. Puis, depuis le mois d'août, je me fais réveiller à 3h30 du matin. Ouais. Pile. Puis, chez nous, je me réveille jamais à 3h30 du matin. Puis, je me fais tout le temps comme genre... C'est comme si je me faisais toucher ou quoi de même. J'aime pas ça. Puis, je vois tout le temps quelqu'un dans le cadre de porte. Puis, tu penses pas que c'est Mathieu qui vient te toucher pendant que tu dors? Ben, moi aussi, je pensais ça, vois-tu. Mais non. Non, parce que j'étais trop occupé à me toucher à ce moment-là. Appelez-moi, les amis. Il paraît que Mathieu a filmé de quoi, là? Okay. Ouais, c'est ça. Mais moi, Dominique m'a conté ça. Puis, tu sais, il a attendu quand même au mois de janvier pour nous dire ça, moi puis Max, parce que c'était un peu gênant. C'est un peu gênant à croire aux fantômes, honnêtement. Il avait peur qu'on le juge. Mais là, moi, ça m'arrive aussi de dormir sur mon sofa, qui est extrêmement confortable 2-3 fois par semaine, quand Dom n'est pas dessus, finalement. Puis. Tu dors quand je suis dessus aussi. Ben, deux fois, tu sais, quand on a des petits moments, là, des petits rapprochements, comme il dirait à Love Story. c'est ça. Puis là, ben, deux semaines après que Dom m'ait dit ça, maintenant, je dors. Puis, un moment donné, je me fais réveiller parce qu'il y a le poster à côté de moi qui me tombe dessus. Je regarde l'heure, il est exactement 3h30 du matin. Et là, je vous mens pas. En fait, il est 3h28. Oui. Et là, je vous mens pas. Dans les 5 minutes qui ont suivi, tous les posters de mon appartement se sont décrochés. Mon Dieu. Et sont tombés au sol. Oui. Alors, j'ai décidé de filmer le cadre de porte dont Dominique parle. Okay. Puis sur mon téléphone, j'ai deux espèces de silhouettes blanches qui passent. C'est vraiment quelque chose. À tout le monde à qui je montre ça, il y a comme un petit, tu sais, le petit slack dans les genoux. Ben, je vais vous montrer ça tantôt, vous allez voir, c'est quand même pas pire. Ben écoute, on pourrait peut-être mettre ça sur le Facebook de Décideret. Ah, waouh, ben oui, bonne idée. Les fantômes chez Mathieu et Maxime. Ben voilà, on va uploader ça sur le plus tôt possible, soit d'ici un mois ou deux, sur le Facebook de Décideret, vous irez voir ça. Le temps que ça upload avec notre modem 28.8. Ouais, ben c'est ça, à la station de Choc FM. Alors, les fantômes, Dom? Oui, alors c'est ça, fait que j'ai écouté ce documentaire-là sur la maison d'Amityville, en fait. Quel documentaire? C'est un documentaire que j'ai pogné sur YouTube. Okay. Je
auteur, hein, fait que, donc, t'es tout le temps sur YouTube. Qu'est-ce qui est arrivé à Amityville, c'est que le 13 novembre 1974, Ronald Junior, le fils aîné de la famille DeFeo... La famille McDonald? Là, je peux-tu parler? OK, vas-y. Oui. J'ai travaillé fort, moi, pour faire ça. Je me suis levé oui, ça paraît. À 10 heures. Oui. OK, vas-y. Le fils aîné de la famille DeFeo a assassiné ses frères, ses soeurs, puis son père et sa mère à 3h30 du matin. Vois-tu, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ouais. Puis, il l'a fait, puis ça c'est sorti de nulle part. T'sais. Le gars, c'était un junkie, il avait des problèmes avec sa famille. Ouais, c'est vraiment de nulle part. Ouais. Puis, ce soir-là, il était complètement drogué, mais il n'y a aucune autre explication. Ouais. Mais depuis ce temps-là, la maison d'Amityville est considérée comme hantée parce que lui, durant son procès, il a dit que c'est une femme toute habillée en noir, avec des gants noirs, qui a donné le gun pour qu'elle aille tuer sa famille. Okay. Et en fait, la théorie, c'est que sa sœur, qui s'appelait Dawn, qui avait 18 ans, donc il y avait 5 ans de différence, lui aurait donné le gun pour qu'elle aille tuer sa famille parce qu'eux autres, il y avait une relation incestueuse. Alors. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, je vais parler de fantômes. OK. Ça, c'était le préambule, ça? Ben oui. Chance que tu t'es pas dit aujourd'hui, je vais parler d'inceste. Je vais parler d'inceste. Ma sœur. Mais ce documentaire-là, il n'y a pas trouvé de distributeur. Yves Desgagnés avait déjà déclaré « C'est merveilleux, l'inceste, quand c'est consentant. » En tout cas, bref. Wow. Yves Desgagnés qui en faisait dans L'Héritage, je crois. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Qui en fait encore, qui en fait encore à l'occasion. Qui en faisait aussi dans le moment de vérité. Quand c'est jour de fête, avec un petit porto. Avec un petit porto, oui. Alors, donc j'ai fait des recherches sur les fantômes et je m'intéressais à la différence. Savez-vous c'est quoi la différence entre un poltergeist et un fantôme? Oh non, non. Un poltergeist, c'est un fantôme animé, vengeur, qui peut déplacer des objets. Hey, ta femme pas, ta gueule, toi. Elle ne donne pas de répit, hein? J'ai quasiment sursauté là, quand je t'ai entendu. J'ai crissé. Oh, ouais, Nicolas est là. Puis Antoine. Nicolas est fatigué. Il a une grosse semaine, c'est correct. Fait que, non, c'est ça. Un poltergeist, en fait. Un fantôme, ça va se manifester par une forme humaine ou par, tu sais, par une espèce d'effet blanchard translucide d'un humain. Un poltergeist, on le verra jamais. Ah. Ça va bouger des choses dans ta maison, ça va cogner au plafond, ça va cogner au mur. Lui, il s'en fout. Hein. Une surface, une surface. Oui, un plafond, un plancher ouais. ou des murs, il s'en fout. Il n'y a pas de discrimination là. Donc, Question Dominique. Est-ce que un fantôme, par contre, peut être invisible et agir comme un poltergeist? Ouais, se faire passer pour oui, un poltergeist pour brouiller les pistes. Parce que chez nous, tu sais, ce que j'ai filmé, moi, c'est des formes blanchâtres sur mon téléphone cellulaire. Puis, ouais. Sauf que quand les posters tombent, c'est invisible. Alors, où est-ce qu'il y a des tag teams, mettons, un tag team poltergeist fantôme? Il existe des amitiés poltergeist fantôme, ouais. Tu sais, t'es souvent de ça, ben, moi, je pense que oui. Si nous autres, on a été capables de se lier d'amitié avec, je sais pas moi, d'autres nations, comme eux, non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, Dodo. C'est ouais. beau. T'es très diplomate. Donc, je crois que oui. Mais les poltergeists, c'est ça. La seule différence, c'est qu'un fantôme, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Mais des poltergeists, ça a déjà été prouvé. Ouais. Comme il y a déjà eu des rapports de police. Il y a déjà eu des rapports de, tu sais, des évacuations de maisons en raison de poltergeists. Il y a déjà eu des faits juridiques qui ont été pris à cause de poltergeists. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ouais. il y a un phénomène de poltergeist qui a été filmé à Beauport, proche de Québec. Ah. Et ah. on peut le voir sur, pas sur YouTube, sur Google. Il y a une femme qui à chaque fois que sa petite fille venait coucher à la maison, les murs tremblaient. Mais vraiment, tu sais, il y avait comme des pocs qui se faisaient sur le mur un peu partout. Et elle comprenait pas pourquoi. Puis la municipalité était inquiète de ça aussi parce que, tu sais, ils ont bien vu que la maison était vraiment ravagée par des pocs sur le mur, des trucs. Donc, ils se sont fait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le terrain bouge? Est-ce que le terrain est susceptible d'avoir un glissement? Alors, ils ont fait vraiment des recherches poussées. Ils ont même regardé si c'était pas le gaz. Il y a une défectuosité du gaz qui crée de quoi. Et il y avait rien. Donc, TVA, qui est toujours assez pertinent dans ses reportages, oui, ont été filmés chez la madame à Beauport. Et pendant qu'ils filment, le mur bouge. T'as vraiment un gros « pow » dans le mur, puis il n'y a personne d'autre dans la maison. Oh. Donc, c'est très intéressant. Ouais. On parle rarement des moyens de transport des fantômes.
C'est très vrai, ça. Transport, justement, on a une stratégie nationale pour le transport de fantômes. Parle-nous de ça à la place, là, me semble. Ça me semble, les fantômes. Mais oui, continue. Les fantômes, on dirait qu'ils aiment bien ça, hanter les trains, hein, le train fantôme ou les, oui, le vaisseau fantôme. Ouais. Même les vaisseaux spatiaux fantômes, comme dans Event Horizon. Mais ouais. C'est rarement le métro fantôme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je ferais un film là-dessus. Oui, sur quoi? Sur les fantômes dans les métros, je pense qu'il dit. Ben, ouais. Ghost. Ghost, il y a un fantôme dans le métro? Ben oui. C'est à New York, puis c'est un fantôme. Fait que je suppose c'est lui qui apprend à déplacer les objets. Il apprend bon, Patrick Swayze. Il y en a déjà un, Dom. Désolé, là, je te pète encore. Ouais, Dom, il faut que tu fasses mieux que ça la prochaine fois, là. Hey, Dom, raccroche. Tes sources d'information, c'est YouTube et TVA, là. Qu'est-ce que tu veux des journalistes? Engage des journalistes, Bernard Chien. Moi, je me lève à 10 heures pour vous rendre service. Ouais. T'es même pas foutu de me remercier. Non, mais c'est... En tout cas, les Portugais et les fantômes ont de quoi en commun? Il y a rien que toi qui crois à ça. Non, attends un peu, là. Oui, oui. J'attends ta prochaine question. Ouais. Dominique, est-ce qu'il y a des animaux fantômes? Oui, bien, Dominique... Je suis content de t'informer que le folklore anglo-saxon oui. est riche en légendes concernant des fantômes de chiens noirs. Ouais. On les entend hurler, là. Ben oui, c'est drôle. Il y a justement un film qui s'appelle Black Dog avec Patrick Swayze, duquel le chien fantôme noir que tu vois sur la route en trocœur, c'est quand t'as pas assez dormi. Et ça te fait faire un accident. C'est quand tu pousses trop. Patrick Swayze est derrière bien des affaires. Ouais. Et d'ailleurs, Patrick Swayze est en mort. Ben, il est lui-même un fantôme. Assurément un fantôme. C'est peut-être Patrick Swayze qui sévit à 3h30 du matin chez vous, Mathieu. Ah, tabarn. Tu vois, on fait des liens. Ouais. Bon. Je voudrais juste dire à Nicolas que moi, au moins, j'ai une grosse graine. Bon. Ouais. Alors, il y a eu... J'étais désespéré, ça. Il y a eu un film dernièrement qui a été tourné sur des fantômes, puis qui est un film véridique, Paranormal Activity. Ouais, ouais. Dans Paranormal Activity, tu vois vraiment des vraies scènes de fantômes. C'est pas truqué rien. Non. Ah, dodo. C'est véridique dans le sens que c'est un film qui existe vraiment. Non, on peut réellement aller voir au cinéma. Nicolas, il n'y a rien à me dire. C'est tellement gros. Écoute, ça fait 2 ans que je l'ai sur mon ordinateur et ça ne me tente pas de l'écouter. Tu peux bien avoir une maîtrise en philosophie. Bon, oui. Alors, il y a d'autres films, des films intéressants sur les fantômes. Oui, il reste une minute, Dom. Christmas Carol, le conte de Noël. Oui, il y a des fantômes là-dedans, c'est vrai. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ben oui, on a fait quelques versions. Souvent, on l'oublie, mais il y a des fantômes là-dedans. Et c'est Scrooge, un homme avare et aigri qui se fait visiter par 3 fantômes la veille de Noël. On n'oublie pas ça. Jean Charest, watch out. Ça, c'est vrai, par exemple, que Jean Charest va se faire visiter par Jean Charest du futur. Il y a Jean Charest du passé qui circule beaucoup sur Facebook dernièrement, qu'on voit avec Bon Jovi, c'est ça? Ouais, le Jean Charest. Bon Jovi. Ben, le Jean Charest hip. Ouais, non, c'était avec le gars de... C'est pas le gars de Duran Duran? Ouais, Duran Duran, c'est ça, ouais. Fait que ce Jean Charest-là va aller visiter le Jean Charest du présent puis lui dire, t'es rendu où, dude? Là? Dude, man! T'es là, tu t'attaques aux étudiants, dude, là. T'en étais un étudiant. Come on, dude, man! Okay, puis en terminant... Oui, vas-y, excuse-moi. Bon, en terminant, j'aimerais dire qu'il y a une excellente série qui s'appelle Fais-moi peur. Il a souvent parlé de fantômes et je voudrais juste souligner le travail de cette série-là, Fais-moi peur, car c'est grâce à Fais-moi peur que le film Le Sixième Sens a été créé, fantôme. Oh oui, c'est vrai. C'est dans un épisode de Fais-moi peur, il y a un homme qui se fait ignorer par sa famille, qui se fait ignorer par sa blonde. Ouais, il faut venir le punch, non? Ouais. Puis il y a juste sa sœur qui parle, puis tu sais, il sent mal dans sa peau, puis tu sais, il cherche dans sa vie, puis là, à la fin, on apprend qu'il est mort. Okay. Puis cet épisode-là qui a inspiré M. Night Shyamalan pour faire Le Sixième Sens. Inspiré dans le sens de voler complètement l'idée, là. Non, parce qu'il a quand même... Il a payé le gars. Il a quand même appelé Bruce Willis. Il a pas volé l'idée, il a volé... Le concept. Il a le même punch, mais tu sais, c'est lui qui l'a ouvertement dit qu'il s'était inspiré de ça. Donc, moi, je pense qu'on peut lui donner une chance au bon M. Night Shyamalan. Oui. Ah ben, donc, oui, ben, malgré la dame de l'eau. Sur M. Night Shyamalan. Non, ben là, on n'a plus de temps, Dom. Fait que je suis désolé, j'aurais aimé ça. J'aimerais ça que tu nous parles de la c'était quoi, la femme... son film de fantôme, la femme... La dame de l'eau? La dame de l'eau, oui. Très, très mauvais. Parce que le méchant... Dom, moi, j'étais avec Dom avait aimé ça. Moi, là, je voulais mourir. Le méchant, c'est un critique de cinéma, tu sais. Tu dis, c'est vraiment... Mais The Happening, ça avait l'air quelque chose aussi. The Happening, je ne l'ai pas vu. Je sais que le punch... Marianne l'a vu, elle m'en a parlé. Le punch, c'est dans le présent, là. Non, The Happening, c'est... Toi, tu parles de... Oui, c'est ça, c'est The Happening. De village, toi, tu parles du village. Non, moi, je parle de The Happening. The Happening, c'est ça, c'est les arbres, une conspiration d'arbres. Non, ça, il n'y a même pas de punch. Ça finit comme que ça arrête.
Ouais, c'est un peu plate. Mais ça continue à Paris. Mais je voudrais juste terminer que Nicolas, moi, si je voulais avoir une maîtrise en philosophie, là, dans 8 ans, je vais l'avoir. Ah, mais ça va te coûter toi, cher. Tu vas toujours avoir une petite graine. Au revoir. Au revoir, Dom. Merci beaucoup. Mais voyons, Dominique, c'est bien agressif, ça, même pour moi. Mais Nicolas, comment on fait pour avoir une maîtrise en philo? Ben, il faut payer d'abord. Oui, beaucoup, puis de plus en plus. Pour l'instant, c'est pas si pire, ça s'en vient méchant. Puis après ça, ben, faut aller au cours. Ah, OK, c'est pas si au séminaire, pardon. Faut aller au séminaire. OK. Faut écrire des papiers. Puis, Ah, c'est intéressant, ça. Après ça, on a un autre papier, puis c'est ça. Ah, OK, d'accord. On continue avec Éric Goulet et Mauvaise Salut, Dé. Ici Jim Corcoran. Et quand je me pointe l'interroge, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des raies. Et je me pointe de suspension. C'est quoi? Et nous écoutons des si et des ré. On l'écoute au complet. Voilà, c'était C'est quoi qui nous écoute? C'est ça. Éric Goulet, Mauvaise vie, reprise de WD-40, c'est toujours aussi bon. On va passer avec Nicolas. Nicolas, cette semaine, là, c'est un saut 5, un fascinique. C'est quoi, là? Ben, en fait, là, je vois le temps qui file. Puis, je pense que j'aimerais bien ça me garder mon saut 5 pour la prochaine fois parce que ça me tenait un peu plus à cœur. Je m'excuse encore pour Francis Lapalme. J'allais le faire sur l'albinos.
Pas l'albinos, le... L'albinos. Le daltonisme. Oui. Parce qu'il m'avait demandé. Et puis, je n'étais pas supposé venir cette semaine. Puis là, dernière minute. Puis là, avec tous les manifestations puis tout ça, ça m'a un peu monté au cœur. Puis là, je cherchais quoi faire. J'allais me promener sur les sites de police. J'allais me promener sur la déontologie, sur les sites du gouvernement, tout ça, pour essayer de trouver quelque chose. Ça ne dérange pas que je mange des framboises en t'écoutant. Non, non, vas-y. Mais tu sais, des fois, Nicolas, juste écouter un bon film aussi... Oui, ben oui, mais là, c'est... En tout cas, j'avais la montée de lait, puis là, je cherchais quelque chose. Oui, je comprends, je comprends. J'avais trouvé à le faire sur la mauvaise foi, puis il y avait quelqu'un qui expliquait sur un site philosophique de manière vraiment éloquente la mauvaise foi, mais c'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je fais mon propre sauce 5 là, mais sur, oui, c'est ça qui fait sur force. Les concepts. Oui. Donc, j'ai quand même un autre petit quelque chose. Donc, je vais peut-être attendre, voir si j'ai si on manque de temps, je vais le faire. Sinon, je vais le garder pour la semaine prochaine, puis là, je vais plus le pousser. Parce que c'est très... je sais pas si vous savez, mais là, il y a des juristes qui poursuivent le gouvernement pour mauvaise foi en négociation. Ouais. Donc, c'est c'est très, une véritable cause. Tu peux poursuivre quelqu'un pour mauvaise foi. Oui, oui. Ah, c'est cool. Oui. Mon Dieu, je suis dans la merde. Sur l'étape de négociation, ouais. Tu peux vraiment... Si tu peux démontrer que l'autre démontre une mauvaise foi devant les faits, ben, tu peux le poursuivre. Oh. Mais pour aller dans le plus léger, en attendant, il y avait le magazine Forbes. Tu sais, ils font toujours des tops... des tops d'argent, là. Qui fait le plus d'argent dans le monde? Ouais, Bruce Wayne. Oui, ben là, ils ont fait effectivement le top 15 des personnages fictifs. Ah, ben gâche, j'ai volé ton punch. Le plus d'argent. Ouais, ouais. Alors, ils ont basé, il faut que ce soit dans un. Créé par un auteur fictionnel. Pas par un auteur fictionnel. Dans un. Oh, là, ça serait compliqué, là. Fictionnel. Mais ça se peut. Un personnage qui crée des personnages. Mais comme supposons Pucci dans Les Simpsons. Ouais, c'est ça. Puis là, Forbes, eux autres se sont cassés à, cassés à la tête pour aller recenser tout ça. Donc, ils ont vraiment essayé d'estimer leur richesse avec les moyens d'aujourd'hui, ce que ça vaudrait sur le market à la fermeture des marchés le 1er avril 2012. Donc, une liste de 15, j'aimerais ça Iron voir Man, les Iron noms. Man doit être là, Iron ouais, Man. Iron Man, il est... en fait, c'est... Tony Stark. Tony Stark, bien sûr. Et il est en cinquième position avec 9,3 billions de dollars. Ouh! Wow. Mais là, Picsou, comment on fait pour qu'elle glisse sa fortune? Picsou n'est pas sur la liste. OK, non. Ça, c'est une aberration. Picsou n'est pas sur la liste? Non. Il y a un gros coffre plein de cash. Ouais, mais c'est des grosses hein, pièces d'or. Fait que c'est pas nécessairement une grosse fortune. Il nage là-dedans. Il y en a un dans l'univers qui est. C'est un canard. Ben oui, je sais que c'est un canard. Il y en a un dans l'univers de Picsou qui est dans la liste. Il est Donald, il n'y a pas une scène, Donald. Non. Flagada Jones. Non plus. Flagada Jones, il pète ses avions. C'est un certain Flintheart Glumgold qui a une richesse de 51,9 millions. C'est un des méchants. Le méchant écossais. Ouais, non, mais justement, un des thèmes récurrents dans Picsou, c'est que Picsou a une scène de plus que lui. Mais là, finalement, il est plus riche. Peut-être qu'il a perdu. Ouais, mais peut-être qu'on n'est pas à jour dans les comic books. Là, faut que tu regardes. À la fermeture des marchés le 1er avril, ben, c'est Flintheart Glumgold qui est plus riche que Picsou. Hey, pour une fois qu'il y a une cause qui me tient à cœur, ça m'écœure. Je pensais que ça ferait monter. Hey, Picsou, il est super cool. Arrête de vivre dans le passé. Picsou. Mais quand même, 51,9 billions, donc il est 5 fois plus riche pratiquement que Tony Stark. C'est le plus roublard. Ouais. Selon la chandelle, là. En avez-vous d'autres? Non, n'en ai pas d'autres. Vous en avez trouvé aucun dans le top 5? Winnie l'ourson? On s'est trouvé le 5e. Ouais. Monsieur Burns? Ben là... Monsieur Burns, oui. Monsieur Burns, il est moins riche qu'on pensait. Il est en 13e position avec 1,3 billion seulement. Ben, t'imagines pas si riche. Mais c'est vrai que c'est une petite ville. Ben oui. Donc, 1,3 billion à Springfield. Ville qui se définit un peu au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'affaires qu'on voit chez vous, un peu comme South Park. Est-ce que Bruce Wayne l'était? Bruce Wayne est là aussi. Il est juste en dessous. Ah, j'allais dire quelque chose. Il est en dessous de Citizen Kane, de Charles Foster Kane. Oui. Bruce Wayne a 6,9 millions et Charles Foster Kane a 8,3 billions. Milliards. Billions en anglais, c'est milliards. Oui, pardon, c'est une liste en anglais. Ouais, ben traduit, là, on est à la radio. Les gens peuvent pas voir la liste. Alors, il y a aussi, juste en dessous de Bruce Wayne... Le Père Noël? En 9e... Non, le Père Noël n'a pas de richesse. Pas de richesse? Je pense que c'est un système communiste. Hey, ça ferait une bonne comédie familiale, ça. Joue tout le rouge, voilà. OK, ben fais-le donc dans l'ordre, là. C'est un peu déconstruit ton affaire, là. Ben, je voulais aller en descendant pour laisser les plus hauts en secret. Là, ouais, ça va de 15 ans. Ben, en dessous de Tony Stark, par exemple, en 6e position, il y a Richie Rich. Ah oui, il y a quand même un 8,9 milliards. En dessous de Bruce Wayne, Forrest Gump, pas l'oublier, 5,7 milliards. Booba Gump. Puis, Julien, ça me déçoit que tu n'aies pas pensé. Monsieur Sakassou. Ah, Richard Sakassou, Monsieur Monopoly, 2,5 billions de dollars. Mais il m'apparaissait pas si riche que ça, je sais pas. Ben là, il y a un Monopoly. Tu as vu sa moustache? Non, mais as-tu vu les montants? Je veux dire, les caisses communes, c'est comme donner 10 dollars, tu sais. Ouais, mais là, c'est ajusté. Gagner un concours de beauté, C'est pour des œuvres de charité, il gaspille pas son argent dans des... Il a tout mis ça dans les îles. Et des concours de beauté aussi. La rue la plus chère dans cet univers-là coûte 500 piastres. Le gars, il est multimilliardaire.
En dessous de Monsieur Monopoly, il y a Lisbeth Salander de la série Millennium, 2,4 milliards. En 12e, pour les fans de Game of Thrones, il y a Tywin Lannister avec 2,1 billions. Tywin Lannister. Non, Game of Thrones, non. Ah oui, okay. Ben, okay, non, bon. Mais on n'a pas écouté ça. Ensuite, bon, Montgomery Burns. On a Robert Crowley de Downton Abbey, 1,1 billion en 14e. Et en 15e, Joe Bennett de The Office avec 1 billion. Joe Bennett dans The Office? Ben, le oui, gros, c'est le big présidente boss, de Saber. Ben, maintenant, c'est plus la présidente. Maintenant, ouais, c'est... OK, interprétée avec brio par celle qu'on voit ses seins dans About Schmidt. Là. Oui, qui était dans... Diane Keaton? Excellent, non, dans Misery. Cathy Bates. Cathy Bates. Alors, oui, en troisième, oui. Il y a le très charmant que tout le monde voulait voir là, le Carlisle Cullen de Twilight. Ça, je ne sais pas si c'est le... J'ai jamais écouté Twilight, maintenant. Je sais pas si c'est lui qui... Justine? Qui... Je ne peux pas vous dire, désolé. Alors, il aurait 36,3... Ouais, t'es une fille, toi. Tu dois écouter. Il y a une fille dans le studio, on le rappelle. 36,3 milliards. Alors, si c'est le personnage principal, ça veut dire qu'avec 36,3 milliards, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est retourner au secondaire. Après toutes ces années de vie. Ben aussi, moi, j'ai jamais écouté ça, honnêtement, mais aussi, le gars, il a quoi, il a quelque chose comme 500 ans. Ouais. Puis ton amour, elle le savait finalement. Elle sait, elle savait. Je sais pas quel âge qu'il a précis. Mais disons, il y a quelque chose comme 500 ans. À peu près. Puis il tombe en amour avec une fille qui a quelque chose comme 17 ans. Ouais. Ça marche pas. Puis les gens trouvent pas ça mal, tu sais, alors que quelqu'un de 70 ans avec une fille de 14 ans. Ben oui, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde, moi. Ben d'ailleurs, dans notre moment au magique, il y avait une situation de fille de 14 ans. Ça compte. C'était pas gênant. Du tout. Oui, la fille de... Je me demande c'était quoi l'autre affaire qu'il voulait pas dire. Parce que c'est ça qui est magique. Oui, ça c'est hilarant. Ouais, à la fin, il se retient. Non, je peux pas dire ça devant tout le monde. Fait que c'est encore pire que ça, mais bon. Et puis en grande première position, moi j'aurais pas pensé, c'est Smaug. Qui? Le dragon dans The Hobbit. Le dragon dans Diablo. Montagne et qui est par-dessus une pile de trésors. Donc ils sont... Oh, ça, c'est plate, ça. Là, ils ont utilisé un algorithme vraiment complexe pour calculer la longueur du dinosaure et la taille du trésor sur lequel il couvre. Parce qu'il couvre le trésor en entier quand il est couché dessus, avec le taux de change des joyaux, des rubis incrustés. Ridicule. C'est très drôle. Nicolas, pendant que je faisais semblant de t'écouter, j'ai googlé combien vaut... Mais, Picsou? j'ai googlé « How much Scrooge McDuck worth? » Et dans sa très longue et très intéressante page Wikipédia, c'est mentionné. Et ben là, je vous lis live, fait que ça va peut-être cafouiller un peu, mais selon une revue du Time, il vaudrait plus de 1 multi-blugillion 9 obscatratu. Bon, OK, il vaut beaucoup, selon un article dans le Times. Ça a l'air très sérieux. Ouais, ouais. Bon, ben là, c'est le Forbes contre le Times. Là. Ben là, Forbes, dans c'est eux autres qui font les tops de richesse. Ouais. Dans l'épisode de la bande à Picsou, Liquid Asset... Fenton Crackshell, qui est accountant en français, c'est le comptable. Le comptable de Picsou, dit que Picsou vaut 607 tillions, qui est le chiffre au-dessus de zillions. Hey, boy, boy. Qui est le chiffre au-dessus de trillions. Qui est le c'est son comptable. Ouais, son comptable. Ben, qu'il vaudrait. Ça me semble beaucoup. Mais bon. Ensuite de ça, oui, sinon, ben, effectivement, c'est un thème récurrent, comme je disais tantôt, dans la bande à Picsou, qu'à un certain moment, Picsou était le deuxième canard ayant le plus d'argent derrière son rival, que là, semblerait, selon toi, il... Qui a une scène de plus que lui. Oui, qui a une scène de plus que lui. Et qui font un tour du monde pour ramasser la scène qui leur permettra d'avoir plus d'argent que l'autre. Il y a quelques failles dans cette histoire-là, mais quand même. Mais bon. Il y a un gros débat encore là, sur la taille du dragon et la manière de calculer mais là, dans sa richesse. Puis là, dans le Forbes, en 2007, on considère que Picsou a 28 milliards. Ce qui me semble un chiffre un peu plus raisonnable que 607 ça millions. Ça existe. C'est un chiffre qui existe. Alors, si on considère que. Ah, puis là, on considère qu'en 2011, à cause de l'inflation, maintenant, il est rendu à 44 milliards. Ah, mais c'est toujours moins. 44 milliards. Oui, 44 milliards, c'est toujours moins que Glomgold. Que qui? Que Glomgold. Que Glomgold, mais sinon... Dans parce que, mais est-ce qu'il serait dans le top 15 avec 44 milliards? Attends un petit peu. Parce qu'avec 51,9 milliards, il y a Flintheart Glomgold. Donc, bon. Il a plus d'argent que Picsou. Écoutez, je vais atteindre le fond de cette histoire-là. Parce que moi, peut-être que moi, Picsou je suis dans l'équipe a Picsou. Une scène de plus, ouais. Mais peut-être que Glomgold, lui, investit dans des propriétés, dans des actions. C'est peut-être un meilleur gestionnaire. Ouais, Picsou, peut-être lui, que diversifié. Je sais que Picsou, c'est un gars super émotif. Mais il reste à l'or. Il n'est pas diversifié. Si l'or chute, c'est fini. Foutu, Picsou chute. Ben même Picsou, son argent n'est pas dans des banques non plus. Son argent est vraiment à sa propre banque. À la merci des rappeux tout. Il ne fait pas fluctuer son argent non plus. Il laisse puis il se baigne dedans. Il nage dedans, là-dessus.
C'est tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a pas respecté là-dedans? Le dude, il va faire ce qu'il veut. Fait ignorer dans son cash. Avec, le pire, c'est qu'avec 44 milliards, il serait juste en dessous de Flint Hart. Directement. Il serait en troisième position. Là, je pense essentiellement la source des revenus de Picsou, c'est ramasser des trésors partout dans le monde. C'est pas vraiment comme avoir des entreprises. Mais c'est vraiment payant ça, faire ça, Julien. Ramasser des. Ben, je sais pas, là. En tout cas, Picsou, ça a l'air de bien payer. Je sais pas. Mais, tu sais, on est avec les caractères fictionnels, tout ça, puis je regardais la vraie liste. Personnage fictif, quoi. Fictif, pardon. Ouais. Je regardais la vraie liste, puis c'est un petit peu terrifiant parce que là, on en a plein, puis ça descend vite dans les 9 milliards, 8 milliards. Tu sais, on arrive quand même rapidement là. Mais là, on commence, puis tu sais, le premier, il y a 69 milliards. Ouais. Carlos Slim élu. Mexicain. En plus, pour un Mexicain, tu sais, d'avoir... Hein? Oups! Oups! 61... C'est quoi cet éditorial raciste? La vraie nature de Nicolas qui sort! Qu'est-ce que c'était, ça? 61... Je suis sûr que je t'arrête de t'avoir à l'émission, là. En dessous, avec 61 milliards, mais ça reste, avant de tomber en bas de 20 milliards... Oui. On a déjà passé la 23e position. Ça en est de l'argent, là, ça. C'est 20 beaucoup milliards. De sous, ouais, ouais. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est les 22 premiers, maintenant. C'est Picsou, une cesse et force avec Bill Gates, supposons. Déjà, il réglait tellement de problèmes. Le 40e personnage fictif a moins d'argent que le... Personne n'a suggéré à Bill Gates de rencontrer Picsou, puis de... Mais là, ça veut dire qu'il y aurait un débalancement entre la fortune des personnages fictifs et la fortune des humains. C'est que je pense que les personnages fictifs ne sont plus assez riches comparés aux riches dans le vrai monde. C'est plus impressionnant. C'est ça. Faut falloir faire quelque chose. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Ah, je comprenais pas. Okay. C'est que ça prendrait des super riches fictifs pour exagérer. Ouais, parce que là, c'est rendu que même nos riches fictifs sont moins riches que les. Exactement, c'est en plus, ça. On peut vraiment leur donner le montant qu'on veut. Il y a un Mexicain qui est plus riche qu'un dragon qui est sur une tonne de... On n'arrive pas à. On n'arrive pas à inventer des montants plus élevés que les montants que les riches ont. Ah, c'est une aberration. Hey, c'est fort ce qu'on vient, hein? Malgré tout, là, ouais. Ce qu'on vient de raconter, là. Hey, Nicolas. Picsou est moins riche que Bill Gates, tu sais. Dis-moi, je... Où est-ce qu'on en est? Mathieu, t'as pas une petite chronique pour nous? Hey, j'ai une mini-chronique. Vas-y. En 7 minutes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas, pour vrai, là. Non, pour vrai. Là, je vais venir la semaine prochaine, puis je vous parle de la mauvaise foi, pour vrai. Mais cool. T'es de bonne foi quand tu dis ça? Oh oui. Ah, moi, j'ai une micro-chronique nutrition parce que, comme je disais tantôt, je reviens des États-Unis. Moi, je mange des framboises. Franchement. Là, je restais juste 3 jours aux États-Unis. Puis, comme la dernière fois où j'étais allé aux États-Unis, j'ai eu mal au ventre. Là, je suis un petit peu malade du pancréas. Hein. Moi, j'ai une maladie au pancréas. Puis, je savais pas ça. Quand, non, c'est vrai. Surnom pancréas. Pancréas, mon surnom mon surnom d'artiste. Les gens t'appellent pancréas? Ben, à l'époque. Juste quand t'es une belle soeur ostéopathe. Dans notre ancienne vie, moi et Justine, nous étions un couple et. On a fait beaucoup de blagues de pancréas. Vous avez été un couple? Oui, durant 3 ans, Seigneur, mine de rien. Trois ans on and off. OK. Si on colle les bouts ensemble. Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes laissé, là? Écoute, je ne sais pas. Qui a laissé qui? Hein? Qui a laissé? Ça aussi, c'est en alternance. Oui, ça, c'est pas mal fait en alternance. C'est intéressant, ça. Oui, on se complète bien de ce côté-là. Alors, on est allé faire un voyage aux États-Unis et à chaque fois que j'y vais, j'ai vraiment mal au pancréas, j'ai le goût de vomir à tout bout de champ, puis je me gère pas, là, j'ai le goût de mourir. Alors, je suis allé voir, je fais une petite recherche sur les restaurants américains, comment aller aux États-Unis puis pas mourir finalement en se nourrissant. Alors tout de suite, je vous dis les deux seuls restaurants, chaînes de restaurants qui vaut vraiment la peine d'aller, c'est le Subway et le Domino's Pizza. En dehors de ça, vous êtes en danger de mort. Mais Subway, j'ai des mal de ventre quand j'y vais, moi, souvent. C'est vrai? Ouais. Ah, Subway, il me semble, non. C'est le dans tous les articles que j'ai lus, les deux, ils disent que c'est Subway qui est en haut de la liste, tu sais, si vous voulez bien vivre. Ben, les restaurants fictifs les plus riches. Reste ici, reste avec nous, Nicolas. va pas là-bas. C'est pas fait pour toi. Mais c'est ça. Puis, à la fin d'un des articles que j'ai lu, il donnait des conseils pour mieux manger. Et c'est des conseils que tu peux appliquer à chaque mois. Chaque mois a son conseil que tu dois respecter. Parce que ça donne rien de tout faire en même temps. On sera pas capable. T'sais, moi, je suis un peu comme ça. Quand je décide que je suis un peu trop gros, j'arrête de manger à peu près complètement. Puis, je fais du jogging 8 fois par jour pendant 2 semaines. Puis après ça, je me rebourre la face comme un gros tas. Moi, je ferais ça, mais je suis trop paresseux. Ben c'est ça. Puis en fait, cette chronique-là, c'était un peu destinée parce que j'ai vu la photo de quand t'étais gros. Ouais, moi-même ayant déjà été gros. Oui, mais pas vrai la photo. C'était... Oh, ouais. Moi, c'était vrai. C'est dommage. Ouais, bon, ouais, mais ça m'inquiète que tu redeviennes comme ça. C'est pour ça qu'on s'est laissé, ouais. Mathieu. Voilà, j'étais trop gros. Ouais, pouvez-vous raconter votre plus grosse chicane? On a eu une. On a eu une? On a eu une. Ah, Mathieu, il est trop tard maintenant, faut que tu racontes. Non.
C'est sûr que c'était à ta fête, là. C'est sûr que c'est quand j'ai scrappé ta fête. Ça. J'avais comme la faculté de scraper les trois ans. Toutes mes fêtes. Ouais. Pour vrai? Ouais. Ouais. Des fois parce que j'étais un mauvais chum, puis okay. Une fois parce que j'ai pogné un choc électrique à la centrale de Beauharnois. Mon Dieu, j'avais peur de mourir toute la soirée. Ouais. Fait que là, t'arrêtais pas de faire chier le monde avec le fait que t'avais peur de mourir. Ben je leur disais juste si jamais. Hey, ouais, j'étais vraiment pas en shape, là. Parce que quand tu pognes un choc électrique, j'avais pogné un choc électrique sur le 600 volts. Quand tu pognes un choc électrique, ce qui peut se produire, c'est que tu peux commencer à faire de l'arythmie cardiaque. Okay. Ça se déclare assez rapidement. Ou il y a un enzyme dans ton sang qui peut se déclencher, puis qui fait comme si ton sang se mettait à bouillir. Et là, ça fait des cailloux. Tu peux mourir, mais ça, c'est pendant 24 heures. Fait que quand tu pognes un choc électrique, c'est même sur juste une prise de courant ordinaire, c'est suggéré d'aller à l'hôpital pour être sous observation pendant 24 heures. Mais moi, j'avais déjà scrappé deux fêtes à Justine. Puis là. Mais ça, c'était la première fête scrappée. Non, c'était la. Non, parce que je suis allé à ta fête parce que je m'étais dit que j'ai tellement scrappé les autres que je suis prête à prendre le risque de mourir. Mon Dieu Seigneur. Puis pour la scrapper. Pour la scrapper. Pour la scrapper, finalement. Tant qu'à la scrapper, j'aime mieux la scrapper devant ça. Mais en tout cas, je vous donne les conseils rapidement. En janvier, on va dans un restaurant, on évite les combos. Vous avez le droit d'aller manger du fast-food, mais prends juste le burger. T'es pas obligé de manger la frite parce que ça dépasse les 1200 calories par repas quand on prend j'aime le combo. J'aime ça, les frites. Ouais, ben oui, mais on prend juste d'abord. Des frites. Moi, quand t'es là... Quand arrête, mais prends mais pas une frite. Mais c'est pas un repas, des frites? Ben oui, on va te prendre un sandwich au Subway, puis après ça, on va te prendre des frites, si tu veux. Subway avec des frites. C'est vrai que ça marche pas. Après ça, en février, on prend les petites portions de liqueur quand on sort. Parce qu'ils nous donnent toujours la portion régulière qui est équivalente à une piscine. Et là, on demande le petit format. Ouais, c'est okay. Ensuite, en mars, on mange plus de plantes. Tout ce qui est ça s'adresse plus aux Américains parce que c'est très difficile de manger des légumes aux États-Unis. Ensuite, en avril, buvez de l'eau. Buvez de l'eau pendant que vous mangez, ça va vous remplir l'estomac, moi, puis vous allez prendre des moins grandes semaine, portions. On boit de l'eau. On boit de l'eau, ben ouais, l'eau d'ici 3 jours, 4 jours, on calme de l'eau. C'est gratuit de l'eau. Ensuite. Pas d'excuses, Doul. En mai, on évite le pain. On se boit pas dans le pain. Il n'y a rien de pire que le pain. Oui. Mangez pas de pain. Mangez pas de pain. Ensuite, au mois de juin. Oui. Comment je vais faire pour aller au Subway? Hein? Calculez vos kebabs. Ben, mange des wraps. Au Subway? Mange des wraps. Ouais. Juin, on calcule nos calories. Les gens ont tendance à sous-estimer leurs calories d'à peu près la moitié quand ils consomment. Fait qu'informez-vous, dans les chaînes de restaurants, c'est tout affiché. Mathieu, t'as une très bonne application iPhone pour faire ça. Voilà, l'application Lose It. C'est avec ça que je me maintiens. C'est pour ça que vous êtes laissé, c'est à cause de son application iPhone. C'est à cause de mon iPhone, à cause des jeux d'Internet et les... C'est juste stupide. sur Internet et les iPhones. Ça me fait du bien venir ici, là. Ouais, mais... Thérapie de couple, des affaires à régler. Moi, j'aime ça. Venez faire une chronique thérapie de couple. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Ah, la complicité. Ensuite, en juillet, on ralentit, puis on décide si on a encore faim ou non. On se pose jamais assez la question. En août, quand on va... Moi aussi... Le découvre pas d'un fil. Non, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que moi, j'étais aux États-Unis, puis je me disais, à chaque restaurant, je me disais, tant qu'à être ici, je suis jamais dans ce genre de restaurant-là. Je dois manger pour la peine, fait que j'ai trop mangé. Et là, ils disent, exagérez pas l'occasion. C'est pas nécessairement une occasion spéciale. Faites pas semblant que c'est un happening. En septembre, on garde les choses simples. Un pain doré, c'est moins calorique qu'un pain doré à la crème fouettée et avec du sirop d'érable. 20 secondes. Ensuite, en octobre, on se laisse pas influencer. En septembre, en octobre, on se laisse pas influencer par nos pères. Oui. En novembre, on écoute notre estomac. Quand c'est fini, c'est fini. Et en décembre, très difficile, on surveille l'alcool. Check la bière. Oh, là, dans des fêtes. En décembre, ça marche pas. Il y aurait pas pensé à leur affaire. Merci beaucoup, Mathieu. Hey boy. Très informatif. Hey, on dirait que t'as pogné un choc électrique. C'était incroyable. Je vais aller à l'hôpital. Non, faut pas que t'ailles à l'hôpital. Non, faut que t'ailles à la fête de Justine. C'est pas encore sa fête. Là. Non. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Fait que, merci beaucoup, Nicolas. Bye. Très informatif. Merci, Justine. Tu reviens quand même. Festival Artefact, votez vert. Votez vert, votez NPD. Votez NPD. Si vous en allez faire du 1er au 3 juin. Merci beaucoup. Merci. Bye. Yeah.